Je reviens dans cette vidéo parce qu'il y a une aberration ici au niveau de la surface supérieure du jus d'orange. On voit que c'est très sombre alors que ça devrait être éclairé par la lampe qui se trouve au-dessus. Donc ceci n'est pas dû au matériau, c'est dû à une aberration dans les normales qui définissent les surfaces de l'objet jus d'orange. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent avec Blender et qui est très facile à régler. C'est ce que je vais faire. Échappe pour sortir, je passe en mode édition. En fait, avant, je vais désactiver la visibilité des autres objets pour ne garder que le jus. Donc je clique ici, le vert, voilà. Ici, c'est le jus d'orange. Tab pour passer en mode édition. Et je vais faire apparaître les normales de cet objet. Donc les normales, ce sont des vecteurs perpendiculaires aux facettes. Ici, dans le menu de droite, on peut les faire apparaître en utilisant cette case à cocher, Normals, Face, et on peut augmenter leur taille avec ce paramètre-là. Voilà. Là, on voit clairement que certaines normales sont dirigées vers l'extérieur de l'objet, alors que d'autres sont probablement dirigés vers l'intérieur. Et le fait que certaines soient vers l'intérieur et d'autres vers l'extérieur produit des aberrations lors du rendu. Dessous, on peut voir aussi que les normales sont vers l'intérieur. Et dessus aussi. Pour régler ça, il suffit d'aller dans le menu de gauche et trouver, voilà, ce bouton. Recalculate Normals. Ou alors, on peut appuyer sur CTRL-N, comme November ou Normals. CTRL-N, voilà. À présent, toutes les normales sont dirigées vers l'extérieur, et le rendu devrait être bien meilleur. Je vais fermer ce menu. Je vais en profiter aussi pour changer deux autres paramètres. L'un dans World, qui est la couleur de l'horizon. Je vais prendre du noir. Ça sera plus joli. Et l'autre dans le matériau du jus d'orange, il est peut-être un peu trop jaune, mais je vais choisir quelque chose de plus orangé, par là. Voilà, et à présent, je vais lancer un rendu avec F12. Voilà, le rendu est bien meilleur. La surface du jus d'orange est bien mieux éclairée, plus jaune, et la scène complète est plus jolie. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Merci, et à bientôt.